Bon, c'est le dernier jour à l'île Maurice. On profite un peu, il profite aussi du petit avant qu'il parte parce qu'il part avant nous, la famille Théo, pour aller sur Marseille. Nous, on va rentrer sur Dubaï ce soir. Voilà, en tout cas, vraiment, on s'est régalé. Déjà au niveau. Bon, nous, on a déjà fait l'île Maurice et on avait vraiment beaucoup aimé, mais surtout, c'est vrai, quand on est arrivé, on s'est dit, oh mince, le temps, c'était pas joué d'avance, la vérité, parce qu'on s'est dit, oulala, ils avaient prévu la pluie tous les jours. On s'est dit, ben, autant il y a des choses à faire, mais malgré tout, ben, il y avait plein de. Voilà, des gens du bateau et tout, quand il fait pas beau, bon, c'est pas la folie, quoi. Et en fait, ben, ça, c'est, on l'a eu sur 12 jours, 2 jours de pluie. En plus, voilà, il y a quand même des trucs à faire quand il pleut, donc trop bien, quoi. Franchement, on a eu de la chance par rapport à ça. Et vraiment, c'est une destination qu'on adore, et même avec un petit, franchement, ça s'est super bien passé. Après, voilà, il y a des choses que ben, si on avait été que tous les trois, on n'aurait pas pu faire. Par exemple, la sortie dauphin, voilà, il était petit parce que c'était un petit bateau et tout, donc ben, on n'aurait pas pu le faire. Mais par contre, le reste, franchement, pas de. C'est une super destination pour les. Voilà, on l'avait fait en couple avec Théo et même en famille. Franchement, c'est super cool. En tout cas, le petit s'est régalé. Après, voilà, ça c'est chacun fait comme il le souhaite. Mais voilà, j'avais reçu des messages. Steph, à 4 mois, c'est pas du tout l'âge pour qu'il voyage. Ça, après, c'est chacun comme il veut. Nous, avec Théo, on a l'amour du voyage et le petit, on lui fera découvrir ça. Au contraire, il s'est régalé. Voilà, on a baigné dans la mer, dans la piscine. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, donc après c'est vraiment chacun fait comme il veut. Voilà, donc non, je pense pas qu'avoir un enfant, à part les vraiment les 2-3 premiers mois, voilà, quand il n'a pas les vaccins, tout ça, mais je trouve qu'à partir de 4 mois, il n'y a aucun souci de partir comme ça. Bien au contraire, il s'est régalé. Voilà, mais après sachez que chacun fait comme il veut, mais en tout cas franchement ça s'est super bien passé. Voilà, après les hôtels et tout, franchement ça s'est super bien passé avec le petit, donc trop bien. Je suis venue voir Théo, toujours après les trucs de tapis, comme ça. Oh là, ça a l'air dur, il fait très très chaud aujourd'hui en plus. Le téléphone posé sur un coquillage. Et voilà, quand on a la motivation, on l'a jusqu'au bout. Mais ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez faire vos sports vraiment de partout, parce que vous avez juste besoin de votre écran. Et c'est tout. Je crois qu'il est KO. Aéroport, un peu chargé, compliqué quand on voyage avec un petit. C'est parti, direction à la maison.